Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast lecture. On va parler de livres, hein, vous vous en doutez. Je ne change pas, un podcast lecture, on parle de livres. Et dans cet épisode, eh bien, il n'y aura pas d'événements littéraires ni quoi que ce soit. On arrive dans une période estivale. En plus, c'est les vacances scolaires, donc c'est encore plus une période où il y a moins de choses. Et après, au niveau de tout ce qui est réception et tout, ça commence sérieusement à diminuer. Donc il y a des fois, certains jours, il y a quelques semaines, j'ouvrais la boîte aux lettres, elle était archi pleine et j'étais trop contente et tout. Et bien là, j'ouvre la boîte aux lettres et elle est vide. Et en plus, mon anniversaire approche, donc c'est très bizarre. C'est comme ça. Mais j'ai quand même des petits livres à vous montrer. Je suis pas sûre d'être à jour, mais bon, je vous en parlerai dans la partie des nouveautés dans ma palle. Et puis, les livres que j'ai lus, et ben en fait, il y en a pas mal. J'ai eu un petit moment je vais pas dire une panne de lecture parce que c'est pas vrai, et puis en général c'est une expression que j'aime pas trop, enfin voilà, mais ça a été un petit peu, je sais pas, j'ai mis un petit peu de temps à reprendre un rythme cassé par le mois de juin en fait, et là je pense que ça va, c'est bien reparti. J'ai lu un livre juste samedi soir, donc c'est qu'on est bien là. Voilà, et ben écoutez, on y va, c'est parti. Alors, nouveauté dans ma palle, donc comme je disais, je pense que je suis pas à jour par rapport aux nouveautés dans ma palle entre le dernier épisode de podcast lecture et celui-ci. Pourquoi ? Parce que je me suis très mal organisée sur ma table basse qui déborde voilà, de partout, hein, c'est comme ça. Il y a beaucoup de livres, il n'y a pas très longtemps j'ai acheté de nouvelles bibliothèques, j'ai réorganisé et tout en me disant là vraiment il y a de quoi faire. Ouais, mais en même temps ma palle explose et j'ai pas agrandi la bibliothèque dans laquelle je mets ma palle. Je suis déjà sûre de ranger et tout ça, et là voilà, il y en a vraiment partout, donc j'ai enlevé de ma palle tous les livres que je compte lire cet été. Ça fait une table basse qui est remplie de piles de livres, mais au moins c'est pas mis ailleurs, enfin bon voilà, bon, ça me permet de m'organiser, et en fait les livres que j'ai prévu de lire cet été, c'est ceux que je vous ai présentés dans une vidéo dédiée, que je vous conseille, hein, forcément, je vais pas vous dire qu'elle est nulle, mais je vous ai présenté dans cette vidéo tous les livres que je comptais lire, surtout que mon été au niveau de la lecture va être très bizarre. Autant c'est le premier été où je pose des vacances de façon assez logique, assez cohérente, il n'y a pas de petits bouts, enfin bon, là, niveau lecture, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et donc, comme j'ai une palle avec les livres pour le jury du Festival sans nom, une palle avec les livres pour le jury Point Polar et tout, en fait, je me demande si je me suis pas un peu mélangé les pinceaux et s'il n'y a pas des livres que j'ai mis dans ces piles-là, alors qu'en réalité, c'était des nouveaux livres que j'aurais dû vous présenter dans cette partie-là. Voilà. Donc, en tout cas, si vous voulez être à jour dans ce que j'ai reçu, faut faire le lien entre ma vidéo palle de l'été, puisque ces livres-là, je dois les lire cet été, et puis faire le lien avec les deux livres que je vais vous présenter là. Alors, premier livre, eh bien, c'est Surtension d'Olivier Norek. Alors, je trouve ça dommage que... Alors, c'est bien, hein, il a reçu il a reçu des prix et tout, hein, enfin, c'est vachement bien, c'est que ça doit être un très bon livre. Mais je trouve que ça gâche un peu la couverture. Voilà. J'aurais préféré à la limite un bandeau en disant « Ouais, trop bien, il a gagné tous ses prix. » Et puis quand on enlève le bandeau, c'est écrit juste derrière, quoi. Donc, c'est le tome 3. Après Code 93 et Territoire, je n'ai pas encore lu Territoire. Mais... justement, je me constituais ma palle de l'été, je dois lire ce livre puisque je dois lire le 4e tome dans le cadre du jury du Festival sans nom. Et en fait, bêtement, je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo sur ma palle de l'été, bêtement en faisant le point sur tous les livres, je me dis mais il est où Surtension ? Ah oui, oups, je ne l'ai pas acheté. Ah oui, c'est vrai, j'avais prévu de l'acheter à Saint-Maur-en-Bosche pour le faire dédicacer par Olivier Norek. Voilà, donc je ne l'ai pas fait, c'est dommage, franchement c'est dommage, j'aurais pu en plus, enfin... dans le sens où le samedi et le dimanche, je suis arrivée à l'ouverture, j'aurais pu me mettre dans la file d'attente tout de suite. Enfin bon, c'est ainsi. Et du coup, je me dis, bon, ok, je vais le commander sur Amazon. Alors, je sais, Amazon, c'est le mal, c'est tout ce qu'on veut, enfin voilà. Mais je dois vous avouer que ça m'arrange parfois. Et ça m'arrange parfois, puis j'ai pas une librairie à proximité qui m'offrirait les conseils qu'on peut attendre d'un libraire. Donc, c'est-à-dire que pour moi, ça peut revenir quasiment au même, en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément de plus d'aller dans une librairie. Enfin, dans une librairie à côté de la maison. Mais, il n'y avait pas le livre sur Amazon. Rupture de stock. Je me suis retrouvée bien bête. Et du coup, bah, je vais partir un peu cet été. Je vais aller dans des librairies. Je me suis dit, ok, c'est bon. Je vais bien réussir à trouver une librairie quelque part qui l'a. J'ai été sur place... hier à mon travail, et puis le midi j'ai fait un petit aller-retour rapide à une librairie dont je vous ai déjà parlé, librairie dans le centre de Levallois-Perret, et je regarde au cas où. C'est pas une librairie qui est hyper grande, mais écoutez, on ne sait jamais. Et là je vois la trilogie 93 avec Surtension. J'ai dit oui, c'est bon, je le prends, ça y est, c'est réglé. Voilà, donc je vais pas regarder la quatrième de couverture, hein. J'ai envie de me faire surprendre. Territoire, j'ai prévu de le lire cette semaine, juste après ma lecture en cours. Et puis j'ai reçu ce livre de Folio, Hôtel Castellana de Ruta Sepetis. Et en fait, je vous en ai parlé en story quand je l'ai reçu. Et vous avez été plusieurs à me dire, mais en fait, ce livre, je l'ai vu en grand format, il était trop bien. Et moi, je suis passée à côté, je ne l'ai pas vu passer. Voilà, je ne l'ai pas vu passer. C'est Folio qui me l'a proposé, ça me tentait bien. Mais du coup, j'étais plutôt contente. J'étais plutôt contente de ses avis, quoi. Enfin, voilà. On ira en Espagne avec ce livre. Et en fait, pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de me rendre compte que j'ai reçu un autre livre dont je ne vous ai pas parlé. Je vais vous le chercher. Voilà, celui-ci, Persona de Maxime Girardot. Ça fait le lien avec ce que je vous disais dans ma vidéo Pâle de l'été, parce que je vous montrais tous les livres que je dois lire pour le jury du Festival sans nom. Et il y a Ego de cet auteur, et puis je voyais un deuxième livre et tout, avec notamment un inspecteur ou un commissaire. Et je me suis dit, ah, ça se trouve, c'est pas un tome... Enfin, ça se trouve, c'est vraiment un tome 2, c'est son deuxième livre, mais c'est le tome 2 d'une série. Et on va retrouver les mêmes personnages. Donc j'aime bien commencer depuis le début, et voilà. En fait, je trouve que j'ai de plus en plus un côté où, si, par exemple, si je lisais Ego maintenant, et qu'il y avait ce personnage récurrent là, et si jamais il y avait un truc que je comprenais pas dans l'histoire, tout de suite je mettrais ça sur le compte de j'ai pas lu Persona, c'est normal que je comprenne pas. Alors que des fois on comprend pas pour d'autres raisons, et puis c'est pas grave en fait. Mais je douterais toujours en fait. Et je trouve que c'est très pénible d'être comme moi. C'est très pénible parce que je m'en sors pas en fait avec cette façon de faire. Là, dans les livres que je dois lire pour les jurys, il y a des tomes 2, des tomes 3, des tomes 4. Tome 4 avec Olivier Norek, avec Malo. J'ai un tome 4 de Charleston, là, pour une comédie romantique de Noël. Enfin, c'est pas vraiment un tome 4, mais c'est pareil, ça me fera le même effet. Et je m'agace d'être comme je suis, parce qu'en fait, en réalité... la plupart du temps, les personnes qui lisent uniquement ce quatrième tome n'ont pas l'impression d'avoir loupé des épisodes précédents, et voilà. Le truc, c'est que si j'accroche énormément avec le tome 4 d'une série, je vais me dire « Ah oui, mais en fait, je prendrais bien le tome 1. » Ouais, mais ça va certainement me spoiler des choses sur la vie privée du personnage principal, en fait. Voilà. Donc écoutez, je vais découvrir Persona de Maxime Girardot, de la même façon que ce que je vous disais avec Hôtel Castellana. Je l'ai partagé sur Instagram en disant voilà, j'ai acheté ce livre et tout, et vous avez été beaucoup à me dire mais en fait il est trop bien, mais j'ai adoré, et... donc ça me donne hâte en fait. Cela me donne hâte. Moi, c'est un j'allais dire un petit pavé. Est-ce qu'on se dit qu'un pavé, c'est à partir de 500 pages? En général, c'est ce qu'on dit quand même. Eh bien là, c'est un livre de 477 pages, sans compter la playlist à la fin. Donc, c'est pas officiellement un pavé, mais pas loin. Voilà. Oh, cet été va être littéraire. Alors, voilà, ça, c'est les livres que j'ai reçus et achetés. Enfin, en l'occurrence, j'en ai reçu un et acheté deux. Et ben, on va passer à ce que j'ai lu. Alors, niveau lecture, je commence par ça. Ça, c'est ma liseuse, avec le livre que je lis en ce moment, d'ailleurs. La petite librairie de Riverside Drive, qui est très bien, c'est une épreuve non corrigée Charleston. Je me méfie des titres, la petite librairie, parce que j'ai l'impression que c'est le style de titre à la mode. Et en plus, quand j'ai lu rapidement la quatrième de couverture, je me suis dit, wow, ça avait l'air d'être un roman léger. Enfin, non pas que je sois contre, mais bon... je sais pas forcément ce dont j'avais envie et je me méfiais entre le titre et le côté roman léger. C'est vachement bien, en plus il y a une double temporalité et tout, j'aime bien. Mais voilà, j'étais pas censée vous parler de mon livre en cours, on est dans la section livre lu. Donc, j'ai lu une autre épreuve non corrigée Charleston, c'est le tome 2 des héritières de Love and Off de Corinna Bauman, si je me trompe pas. J'avais beaucoup aimé le tome 1. On est sur... bon, dans un cadre Downton Abbey, donc voilà, vous voyez ce que ça veut dire, grande demeure, domestique, voilà. Mais un Downton Abbey hyper moderne en fait, ça se limite pas du tout à ça. On est en Suède, ce qui est assez original, ça change de Downton Abbey en Angleterre, de la Villa aux étoffes en Allemagne. Et en fait, c'est très moderne et féministe, et... j'avais vraiment beaucoup aimé. On est sur un pavé, mais alors là, pour le coup, les 500 pages sont largement dépassées et ça se lit très vite. Ça, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé lors de ma lecture du tome 1 qui est sorti et que je vous conseille fortement. On devait lire le tome 2, donc on avait découvert le tome 1 au début de notre aventure Charleston. On découvre le tome 2. C'est un livre qui sortira fin septembre, si je me trompe pas. Et bon, moi, toujours pénible avec moi-même, je me disais, ouais, mais en fait, je me rappelle plus du tome 1, je vais lire le tome 2, comment ça va se passer, est-ce qu'on va m'accompagner dans la lecture et tout. Ah, c'était trop bien. C'est un tome 2, mais pas totalement un tome 2. On n'est pas sur une suite à la minute près. Il s'est écoulé du temps. Le personnage principal est même pas le même. Mais on retrouve quand même beaucoup du tome 1. Effectivement, je ne me souvenais pas de tout, ce qui fait que j'ai fait des redécouvertes. J'ai été surprise à nouveau par des choses dévoilées dans le tome 1. Ça m'a pas gênée hein, de pas être hyper... au fait de ce qu'il y avait eu, mais vraiment c'était très bien. Et de la même façon, le livre, je sais plus combien il fait de pages, 600, 650, il fait pas 700 pages, mais bon, entre 6 et 700 quoi. Et pff, ça se dégomme en fait, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et ça m'a fait beaucoup de bien de lire ce livre parce que, justement, j'avais lu un autre livre là qui est en bas de ma pile que j'avais un peu fait traîner parce que pas trop le temps. Et pas trop le temps, ouais. J'ai vraiment eu une période fin juin assez dense et avec du temps pris sur mon temps de lecture. Ce temps pris sur mon temps de lecture, c'était pour des salons. Donc en plus, j'ai augmenté ma palle. Au lieu de lire, j'ai acheté des livres. Bah, c'était bien. Et puis voilà, j'ai eu plusieurs comme ça. Enfin, il y avait le vendredi soir la Nuit blanche des livres, le samedi Saint-Maur, j'avais quand même la fin de journée. Le dimanche Saint-Maur, d'habitude je lis pas mal le dimanche. Fin de journée, je préparais ma valise parce que je partais en séminaire boulot le lendemain. Le lendemain soir, bah, j'étais pas à lire, j'étais en séminaire, travail, enfin en soirée de séminaire, travail. Le mardi, je suis rentrée, il y avait un truc de l'école pour les enfants. Enfin, je suis rentrée genre à 19h et 5 minutes après, il fallait partir pour le truc pour les enfants. J'ai à peine eu le temps de manger. Le mercredi soir, il y avait la soirée avec Anne-Gaëlle Lyon, voilà. Et tout ça, c'était des choses qui étaient quand même globalement positives. Ça, c'était vraiment bien. mais ça fait beaucoup de moments où j'ai pas lu en fait, et ça a fait un peu traîner le livre que j'avais en cours, ce qui n'est pas dans mes habitudes parce que moi en général je vais lire un livre sur 2-3 jours. Là je l'ai fait traîner sur genre une semaine, et du coup j'ai eu un moment en me disant wow, est-ce que j'aurai ce qu'on appelle une panne de lecture, comme je dis c'est pas trop une expression que j'aime bien, mais parce que j'ai du mal à me dire qu'on est dans une panne de lecture. Pour moi ça peut être lié alors soit au contexte comme moi qui m'empêche de lire, et en même temps c'était pour des choses qui étaient plutôt sympathiques. J'ai fait deux karaokés dans la même semaine, enfin c'était pas vraiment un karaoké avec Anne Gaillon, mais on a beaucoup dansé et on a chanté. Mais il n'y avait pas d'écran karaoké. Donc ça, c'était au séminaire boulot. Et donc, du coup, il y avait le contexte, voilà, qui fait que j'ai moins lu. Mais des fois, ça peut aussi être lié au livre. Il suffit juste de changer de livre et voilà. Le livre, en l'occurrence, était quand même bien. Mais c'est vraiment en lisant Les Héritières de Lovenoff, je me suis dit... ça fait du bien. Voilà, donc je vous le conseille, il sortira fin septembre. Bon, après on passe à un livre que j'ai pas trop aimé, je vous en parle. Ah oui, il y a pas mal de livres audio aussi. Bon, bon allez, je vous en parle, comme ça ce sera fait. Les Vacances d'un serial killer de Nadine Monfils. C'est un livre que j'ai acheté à Noir sur Ormeson au mois de novembre. C'était la première édition d'un salon polar qui était vachement bien. Première édition, quasiment personne au niveau des visiteurs, mais alors les auteurs, enfin Olivier Norek, quasiment pas d'attente, Cédric Cyr, quasiment pas d'attente, enfin voilà, il y avait vraiment des grands noms du polar, Nico Taquian, Jérôme Loubry, et j'ai acheté énormément de livres. Et en fait, j'ai fait le point hier soir, suite à des discussions avec le gang des tote bags, donc Estelle de Petite Lectrice, Florence de Flow & Books et NJ de Madame Chachali, et en fait on commençait un peu à parler de Brive, et puis du coup il y a le truc de bah c'est bien d'aller à un salon si on a déjà tout lu ce qu'on a acheté au salon précédent, enfin voilà. Donc je me suis fait un fichier Excel avec toute la liste, et j'ai fait la liste de Noir sur Ormeson où en fait je n'avais lu qu'un livre jusqu'à présent, c'était le Cédric Cyr, et ça c'est le deuxième que je viens de lire, quoi. C'est pas, je sais plus combien j'en ai acheté, 9 je crois. C'est pas un bilan exceptionnel quand on se dit que c'était au mois de novembre et que nous sommes au mois de juillet. C'est un livre que j'ai écouté, je l'ai passé en livre audio. Pour parler encore un peu d'organisation, je suis à 225 livres dans ma palle, c'est énorme. Moi qui ne vivais pas bien avec 50 livres dans ma palle il y a 1 an et demi, 2 ans, 225 livres... Pff. Voilà. Après, certes, je lis beaucoup plus. Là, à fin juin, j'étais à quasiment 100 livres lus, alors qu'il y a 2-3 ans, je lisais 50 livres par an. Donc, faut aussi mettre ça en perspective. Enfin, voilà. C'est-à-dire que là, sur 225 livres, si je fais une bonne année, ça veut dire que c'est 1 an de lecture. Quasiment. Bon. Ça veut dire, pour que ce soit 1 an de lecture, ça veut dire que pendant 1 an, je n'achète plus de livres et je n'en reçois plus. Voilà. Bon. Après, un livre, si je l'achète et je lis 3-4 ans après, c'est pas grave non plus. Mais voilà, j'ai tendance un peu à raisonner comme ça en me disant, en essayant de voir, bon là je me dis, j'ai une bonne année de lecture dans ma palle. Concrètement, ça va pas se passer comme ça, mais voilà. Et du coup, il y a toujours l'histoire des livres audio, en fait, que j'ai découvert il y a un peu moins d'1 an. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo, je vous avais fait une vidéo un peu à chaud sur ma découverte des livres audio. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu à froid sur ma découverte des livres audio, sans souci, n'hésitez pas à me poser quelques questions si ça vous intéresse. Et donc, bah moi, je suis abonnée à Audible. D'ailleurs, j'ai des liens sous ma vidéo si vous voulez essayer. Sur des liens affiliés qui me permettent moi de gagner 3 sous si vous appuyez sur le lien et que vous souscrivez à l'offre via, enfin oui, à l'offre d'essai, je crois que c'est même un essai gratuit au début. Donc voilà, et en fait ce que je me suis amusée à faire, c'est j'ai pris mes 225 livres, et dans les livres, il y a des livres que je veux à tout prix lire, il y en a que je veux lire mais... je suis moins pressée, donc ceux-là, je peux les passer en audio. Il y en a d'autres, je veux absolument les lire en papier. Voilà, ça c'est du non négociable pour certains, mais il y en a d'autres, ça ne me dérange pas. Et en prenant toute ma palle et en mettant comme ça en deux catégories, et ben ceux où ça ne me dérange pas de les passer en audio, j'ai regardé sur Audible s'ils étaient disponibles. Et je suis arrivée comme ça à une liste d'une trentaine de livres, ce qui n'est pas énorme si on rapporte ça aux 225, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une trentaine de livres que je peux passer en audio. Il y en a, dans cette trentaine de livres, il y en a une dizaine que j'aimerais passer en audio, mais qui ne sont pas disponibles. Et d'ailleurs, j'en suis surprise. C'est-à-dire, j'ai acheté un Laurent Fouché à la Nuit blanche des livres à la Garenne-Colombe en me disant « Un Laurent Fouché en audio, j'adore ». Je rentre à la maison, je regarde sur Audible et c'est peut-être le seul titre qui n'est pas disponible en audio. C'est pas grave. Julien Sandrel, j'avais adoré La Chambre des Merveilles en audio. Pour moi, c'est pour l'instant ma meilleure lecture audio depuis que j'écoute des livres. C'est le seul livre de Julien Sandrel qui est en audio. Voilà. Du coup, en arrivant à cette liste-là, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait des livres comme celui-ci qui existaient en audio, que je comptais pas forcément lire tout de suite, et voilà, ça pouvait être une bonne solution, surtout que c'est un livre tout fin, et je me le suis fait quasiment en une matinée en fait. En faisant des mugs pour ma boutique Etsy, j'ai écouté la fin d'un livre audio qui est là, et j'ai écouté quasiment tout ce livre audio. J'ai pas aimé, voilà. Je vais pas y aller par 400 chemins, j'ai pas aimé. Donc Les Vacances d'un serial killer, c'est le premier tome de Mémé Cornemuse de Nadine Monfils, donc rencontrée à Noir sur Ormeson comme je vous le disais. J'ai déjà lu de cette autrice les enquêtes de Magritte et Georgette, j'ai lu le tome 1. J'avais pas une envie particulière de lire le tome 2, non pas que c'était pas bien, mais voilà, il y avait d'autres livres qui m'intéressaient davantage, aussi d'autres tomes de séries de Cosy Mystery. Je pense par exemple à Son espionne royale que j'adore, mais je n'ai jamais continué la série, enfin voilà, il y en a d'autres qui me plaisaient davantage. Là, bon, je me disais pourquoi pas, et puis je voyais l'autrice d'un livre que j'avais lu, ça me paraissait pas mal. Elle m'a décrit un peu ses livres, celui-ci me tentait, et voilà. Pourquoi j'ai pas aimé? Bon, j'ai vécu des périodes un petit peu difficiles, là, des choses ouais, un peu difficiles. Et je vois que dans ce que je vis, il y a un côté où je suis trop... je manque de recul, en fait. Je manque de recul, ce qui s'explique hein, par plein de raisons. Je manque de recul parce que je suis trop dedans, parce que je suis trop... parce que j'ai trop de choses, parce que j'ai pas les ressources pour pouvoir prendre du recul et je dois être sur plusieurs choses à la fois. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses et bien moi de gens compliqués. Et ce qui fait que quand c'est comme ça, je prends de plus en plus les choses à cœur et ça veut dire que j'ai certainement pas eu le recul qu'il fallait pour lire ce livre, parce que pour lire ce livre, il faut beaucoup de recul. Je pense avoir de l'humour, le second degré, voilà, il n'y a pas de souci, mais là, on va au-delà du second degré, c'est bien au-delà. Et en fait, j'ai commencé à écouter ce livre audio avec, voilà, moi qui essaye un peu de me sortir de la pression, du stress et tout, je commence à écouter ce livre audio, deux personnes qui se disputent, et puis alors... Ils y allaient. Hein. Nadine, mon fils, fait les voix féminines. Ah, donc, il se parlait comme du poisson pourri. C'était un peu tendu. En ce moment, c'est pas le genre de choses qu'il me faut, quoi. Et c'est vulgaire. Voilà, c'est certainement loufoque, c'est certainement rigolo. Je suis passée à côté. Comme je vous dis, c'est certainement de ma faute, c'est certainement lié au fait que j'ai pas réussi à prendre du recul et tout. Mais même si après mes vacances, je vais mieux, etc., je ne pense pas lire le tome 2 pour autant. J'ai 225 autres livres qui m'attendent et que j'ai très hâte de découvrir. Voilà, donc je suis passée à côté. Je pense que les gens qui aiment admettront que c'est particulier. De toute façon, c'est écrit poilant, coloré, joyeux. Il n'y avait pas écrit déjanté à un endroit ? Parce qu'en fait, c'est déjanté. Bon, bref, je ne sais plus où, mais voilà, c'est bien. Il y a certainement un public, mais je n'en fais pas partie. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, hein, mais moi, je suis passée à côté. J'allais enchaîner avec un autre livre audio que j'ai pas aimé. On va peut-être parler d'autre chose. La clé du sang de Ruth Ware chez Fleuve Noir, avec cette couverture que j'adore, vous le savez, je la trouve tellement belle. Ça fait très Alice au Pays des Merveilles, vous ne trouvez pas? Quand elle essaye de regarder à travers le trou de la serrure de la toute petite porte. Cette maison de rêve va devenir votre pire cauchemar. Dans ce livre, on suit Rowan Kane, qui en fait postule à un poste, ça fait beaucoup de poste, postule à un poste de nurse en fait. Et ce poste, il a l'air hyper bien parce que la maison, elle est censée travailler, elle est vraiment, c'est une sacrée maison. Et puis en plus, le salaire, il est hyper intéressant et tout. Donc voilà, elle veut vraiment ce poste, elle l'obtient, elle y va. Et ça se passe pas totalement comme elle l'avait prévu, quoi. Voilà, les enfants sont un petit peu particuliers, les parents partent très vite, et puis voilà, on va être dans une ambiance assez angoissante, assez pesante. Et puis il y a une construction de livre dont j'ai pas envie de vous parler pour pas vous dévoiler le truc. Franchement, la quatrième de couverture, elle est hyper soft. Il y a ça et il y a ça. Donc, on garde beaucoup de secrets autour de ce livre. C'est le personnage principal qui va raconter son histoire. Et en fait, on comprend vite qu'elle est coupable de quelque chose. Mais ce quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Ça va faire partie de ce qui sera dévoilé sur la fin. Et en plus, elle est coupable de quelque chose, mais elle clame son innocence. Et à côté de ça, on sait qu'elle doit être coupable d'autre chose, a priori moins grave, mais on ne sait pas ce que c'est non plus. Et ça nous tient tout le livre. Et en fait, elle va raconter son histoire à quelqu'un dans un certain contexte. L'histoire est racontée à la première personne et on va de découverte en découverte. Donc, c'est elle qui raconte son histoire. Donc, et on sait qu'elle cache des choses. Donc, on se doute que dans ce qu'elle va dire, il va manquer certainement des passages. Et voilà. Donc moi j'ai bien aimé, malheureusement c'est le livre que je me suis mise sur la dernière semaine de juin et que j'ai fait un peu traîner, et c'est dommage parce qu'en fait dès les premières pages en fait on tourne, ça c'est pas trop mal. Là je te dirais quand même que c'est pas un page turner. Alors est-ce que c'est parce que moi j'ai lu les pages qui sont censées m'accrocher et au lieu de continuer, j'ai stoppé ma lecture pour dormir et pour aller autre part un autre soir. Et du coup, j'ai mis trop de pauses entre ces quelques pages d'accroche et la suite de l'histoire. Ou est-ce que effectivement l'histoire a tendance un peu à s'essouffler au niveau du rythme? Je sais pas. C'est un thriller, mais pas dans le sens Cédric Cyr avec tes yeux. Ou pour moi, c'est exactement ce que j'aime dans un thriller. Avec un côté rythme effréné, on ne sait pas s'ils vont s'en sortir, limite une course-poursuite, enfin j'exagère, mais voilà, un truc comme ça. Là non, c'est pas ça du tout. Là on va être dans un truc, dès qu'elle se couche, il y a des bruits bizarres, il y a des endroits dangereux, là où elle vit, dans cette maison. Les enfants sont particuliers et ça nous met une ambiance pas très saine, pas très... voilà. Donc, c'est prenant mais pas de la même façon en fait. C'est un thriller. Enfin, oui, c'est un thriller. Mais un peu différent. Donc, j'ai bien aimé. Dans ma palle, j'ai d'autres livres de Ruth Ware. J'ai La disparue de la cabine numéro 10, ainsi que Les 5 règles du mensonge. Et j'apprends en regardant à l'intérieur qu'en fait, je croyais qu'il n'y en avait que 3, mais il y a 5 livres que l'autrice a écrits. Il y a aussi Promenez-vous dans les bois et La mort de Mrs. Westaway. Voilà. Faudrait que je voie les couvertures pour savoir si ça me parle ou pas, si je les ai déjà vus passer. Mais voilà, du coup, je vous le conseille, il est bien, mais angoissant, c'est pas non plus de l'horreur, mais il y a ce côté pesant et tout, et apparemment, cette autrice est décrite un peu comme la reine du thriller psychologique, quoi. Donc ça peut vous donner quelques indices sur le style de livre que ça peut être. Ensuite, je vais vous parler de celui-ci, L'inventeur de Miguel Bonnefoy chez Rivage. Il s'agit d'un livre de la rentrée littéraire et j'avais été contactée par Rivage en fait pour le recevoir. Je l'ai reçu, dédicacé. Je trouvais ça très rigolo parce que l'auteur a écrit pour Magda. Voilà. Ce livre... Il y a Florence qui l'a reçu et qui l'a déjà lu, elle m'en a un petit peu parlé, ça m'a donné envie de le lire plus tôt que prévu. Et puis samedi soir, j'avais fini ma lecture plutôt que ce qui était indiqué dans mon planning. Et puis je me suis fait aider de ma dernière pour choisir ma prochaine lecture. J'en ai fait un petit réel sur Instagram. Donc l'idée, c'est que je me fais une présélection. Là, j'ai fait une présélection de 9 livres. Des livres que je dois lire. Bah, de toute façon, je dois lire des livres jusqu'à fin août. Que ce soit le livre A en premier ou le livre B en premier, je m'en fiche, je dois tous les lire, quoi. J'ai pas de lecture commune, enfin j'en ai pas beaucoup de prévues, donc y a pas de souci si j'inverse des titres. Et donc, mais là, c'était les 9 que j'ai... Au moment où samedi, en fin de journée, au moment où on était, c'est les livres que j'avais envie de lire, quoi. Donc, je me suis fait cette présélection, puis après, l'idée, c'est que ma dernière en enlève un, moi j'en enlève un, etc. Puis à la fin, il en reste un. Celui-ci. Donc, dans ce livre, on suit Augustin Mouchot. Augustin Mouchot est fils de serrurier. Il est professeur de mathématiques et au milieu du 19e siècle, il a découvert l'énergie solaire. C'est une biographie très bien écrite. Ça me fait penser à Marie-Antoinette, parce que je lis pas beaucoup de biographies, mais Marie-Antoinette, c'était une biographie qui était intéressante par le personnage dont on nous raconte la vie, mais intéressante aussi par l'écriture grâce à l'écrivain qui a écrit la biographie de Marie-Antoinette. Et Stéphane Zweig ajoutait vraiment... Enfin, il y a manière et manière de raconter une histoire, en fait. Et du coup, il y a des manières qui sont plus émouvantes, plus intéressantes, plus captivantes, et voilà. Là, je retrouve un peu ce côté-là, parce que l'histoire de cet homme, de cet inventeur, est intéressante. Enfin, elle est assez surprenante et l'écriture de l'auteur va ajouter beaucoup en fait dans l'histoire qu'il nous raconte. Et donc du coup bah, on a cet Augustin Mouchot là qui commence dans la vie avec 50 000 maladies et voilà, il a une vie très particulière, pas de tout repos, une personnalité assez... Bah, un peu effacé, on va dire, peut-être que ça peut s'expliquer par l'enfance qu'il a eue, mais voilà, c'était vraiment très intéressant. Il a eu aussi des moments de gloire, pas beaucoup, mais il en a eu certains, et voilà, j'ai beaucoup appris. J'ai trouvé juste la fin un petit peu longue. Alors, c'est un livre qui fait même pas 200 pages, c'est pas un livre qui est long, mais enfin, il fait 199 pages, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 199 pages. Il fait pas 200 pages à une page près, quoi. Et donc je vais pas dire qu'il était trop long, mais j'aurais bien voulu des fois avoir quelques autres détails en plus tout au long de l'histoire et peut-être un petit peu moins sur la fin. Mais en tout cas, très intéressant, ça me donne très envie de découvrir d'autres livres de cet auteur. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé. Certains d'entre vous m'ont conseillé Sucre Noir, voilà. Donc ça, rentrée littéraire, sortie mi-août, si je ne me trompe pas. Et je vais finir avec un dernier livre. Bon, en réalité, j'en ai lu d'autres, mais ça fait beaucoup pour cet épisode. On lira. Je vous parlerai du reste la prochaine fois. Donc je termine avec celui-ci, puisque je vous ai un petit peu dit qu'il y avait un autre livre audio que j'avais pas trop apprécié. C'est celui-ci, Le tourbillon de la vie, d'Aurélie Valognes. Aurélie Valognes, c'est une longue histoire. Je suis quasiment à jour dans ses livres, du coup il me reste La ritournelle à découvrir. Et je sais pas pourquoi je cherche comme ça à me mettre à jour dans ses livres alors que je les aime pas tous. Je les vois là-bas, ils sont dans ma bibliothèque. Donc ça c'est le 7e que je lis de l'autrice. Sur 7, j'ai eu 2 très 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 bonnes lectures. Et les autres, c'était vraiment moins ça. Je trouve du coup ces livres très inégaux. Alors selon mes propres critères, hein, voilà, c'est quand même une autrice à succès. Mais il y a Né sous une bonne étoile et Au petit bonheur la chance qui sont pour moi 2 pépites. 2 livres mais qui m'ont appris. Que j'ai trouvé émouvant, que j'ai trouvé plus creusé ou... Ces autres livres sont un peu plus légers et je trouve que du coup ça fait de très bons livres audio. Voilà, c'est plutôt agréable à lire, mais Il y a peut-être parfois des phrases un petit peu toutes faites, voilà. Là, dans le tourbillon de la vie, on se retrouve avec Arthur et son petit-fils. Voilà, il y a 60 ans qui les séparent. Bon, Arthur a une vie particulière. Il arrive un petit peu petit à petit en fin de vie. Et il connaît pas forcément beaucoup son petit-fils, tout comme il n'a pas beaucoup connu sa fille. Il essaye de rattraper ce temps. C'est... Alors, j'ai pas tant accroché que ça. Parce que je... comment dire, le sujet, il pourrait être très bien, hein. Enfin, là, Né sous une bonne étoile, Au petit bonheur la chance, c'est des livres que je trouve beaucoup plus profonds, mais en même temps, on pourrait partir de cette idée de base et en faire la même chose. Alors que j'ai tendance à rapprocher ce livre des autres, en fait. Un peu plus léger. Il y a à la fin du livre audio un entretien avec l'autrice, c'était déjà le cas avec Né sous une bonne étoile, mais il y a un long remerciement qui est peut-être dans le livre d'ailleurs. Ah oui, pour vous en dire plus. Oui, effectivement. Bon, je trouve que c'est intéressant. C'est toujours intéressant de lire ces parties-là. Moi, j'apprends beaucoup du coup. Et en fait, elle met enfin une dernière pensée pour eux, donc dans les remerciements. Jules et Gaspard, mes fils, dont je fige l'enfance, les mots, les bêtises dans mes histoires. Et le fait qu'elle ait mis, qu'elle figeait les mots dans ses histoires, je me suis dit, ah, peut-être qu'en fait, l'enfant, elle a, pour faire parler l'enfant du livre, Louis, si ma mémoire est bonne, eh bien ce petit garçon, peut-être qu'en fait dans ses mots, il y a certains mots de ses enfants. Mais moi qui ai 3 enfants, alors j'ai certainement 3 enfants, ils ont le même papa, la même maman, on peut pas dire que ce soit 3 enfants totalement différents entre eux, il y a forcément des points communs, ils ne sont pas représentatifs de tous les enfants de la population française et même au-delà, voilà, mais en fait les mots dit par le petit garçon, bon, ça va être dur ce que je vais dire, je suis désolée, je mets pas l'effort, mais me paraissait presque pas crédible. J'imaginais pas ces mots dans la bouche de mes enfants, en fait. Quand je pense à ma grande, quand elle avait, je crois qu'il a 8 ans, le petit, quand je pense à ma grande, quand je pense à mon fils qui a 8 ans, et que je vois ma dernière qui en a 6, les mots utilisés, je suis un peu... je suis un peu surprise, enfin j'ai pas l'impression que mes enfants soient forcément très enfants, voire même bébés, mais alors là je trouvais le langage hyper adulte. Voilà, donc en fait ça l'a pas trop fait avec moi, c'est comme ça. La ritournelle je l'ai en livre audio, donc bah écoutez, je vais l'écouter, hein. Ce serait dommage de pas l'écouter, il m'a été offert par Audiolib, donc j'ai bien envie de le découvrir. Et puis après, il faudra peut-être en tirer des conclusions, hein. Si comment je peux être quasiment à jour chez une autrice où je vais apprécier un tiers des livres, alors que Lemanel, dont j'apprécie les livres, je suis pas encore à jour. Enfin, voilà, il y a un moment donné, il faut faire des choix, et là, faut arrêter, quoi. Faut arrêter, ou alors bien me renseigner avant le livre pour savoir si c'est une nouvelle pépite d'Aurélie Valognes, ou si c'est sur la lignée de ses précédents. Bon, par contre, les couvertures, elles sont canon. Moi, c'est ça, mais j'adore, quoi. Des fleurs de cerisier comme ça, enfin, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère, du coup, que cet épisode vous a plu. J'espère que vous avez fait des petites découvertes dans les livres dont je vous ai parlé. Je veux bien votre sentiment sur Aurélie Valognes, parce que c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup de succès. Et il y a quand même des livres, enfin moi je suis passée vraiment à côté, y compris La cerise sur le gâteau, hein, qui était un livre qui était quand même plus gros que les tout premiers, qui sont des livres qui se lisent en 2 heures, même pas, avec d'autres sujets, l'écologie et tout, mais même moi celui-là j'étais passée à côté. Donc ouais, je veux bien avoir votre avis, notamment de fans d'Aurélie Valognes, en fait. Ça m'intéresserait d'en savoir davantage. Ou je sais que des personnes ont adoré ce livre, donc je veux bien aussi échanger sur ça. Voilà, Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Si vous êtes en vacances, vous avez de la chance. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, plein de bon courage. Et quoi qu'il en soit, vacances ou pas, très bonne lecture à tous et je vous retrouve très vite.